Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, on va jouer avec cet atelier d'outillage et on va assembler tout ça. Voyons voir ce qu'il y a dans ce gros coffret. On a plein d'autocollants pour nos outils. Là, on a les instructions et la boîte à outils qui va se transformer en mini-atelier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On dirait une visseuse électrique. Là, on a un grand sachet. Alors, on a des lunettes de protection avec un élastique. On a un mètre que l'on peut enrouler et dérouler. On a un marteau et arrache-clou. On a un embout de vissage. On a des plaques à visser. Une pince, une clé anglaise, une scie, une clé à molette qui fonctionne, on a un étau à main. Un étau de table qu'il faut assembler. Voilà, très simple. On a trois embouts à visser. On a deux tournevis. Et on a aussi une perceuse. Il y a aussi un masque de protection. Voici le masque et les lunettes. Et maintenant, on va voir la visseuse électrique. Il faut mettre deux piles. Et on met l'embout. Et il suffit d'appuyer sur le bouton. Et elle peut visser et dévisser. Maintenant, il est temps d'installer tout notre atelier. On va d'abord commencer par les autocollants. On en met un sur notre perceuse, visseuse. Et voilà, prête à l'emploi. Et on va faire la même chose avec le reste des outils. Voilà, il est temps maintenant d'assembler notre mini-atelier. Et on va les mettre là, sur ces emplacements. On a nos quatre pieds et maintenant on va les renforcer. Et on va utiliser pour ça des boulons. Et des écrous. Et on serre bien.
et on va en mettre sur les quatre côtés pour bien renforcer la table. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est assemblé. Notre atelier est prêt à l'emploi. Il est temps d'assembler l'étau à la table. Et on va utiliser encore des boulons et des écrous. Voilà, notre table à outils est prête. Il ne reste plus qu'à mettre chaque outil à son emplacement. Et maintenant, c'est au tour de notre visseuse électrique. Et vous voyez, elle fonctionne parfaitement pour visser et dévisser. On va la mettre juste là. On va finir avec les derniers outils. Et là, on va plutôt mettre tous les boulons avec le masque. Et voilà, notre atelier de bricolage est prêt. On a tous les outils nécessaires, chacun à son emplacement. Et on a assemblé tout ça en un rien de temps. Je suis sûre que cette vidéo va plaire à tous les bricoleurs en herbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Madame Récré.